Cette nuit que ça se passe. Nous sommes le 24 mars, à 2h du matin, normalement ce qu'il faut, Pascal, quand j'explique, non mais je leur explique, parce que, non mais attends, c'est clair, parce que toutes les années, vous nous faites le plan, oui, bon, il faut avancer, il faut reculer, on sait pas, attends, ça prend le chou à chaque fois, mais c'est les gens, ils m'énervent, moi, ils notent rien, attends, c'est pourtant pas bien compliqué, ce qui se passe, tu prends ton réveil à 2h du matin, si t'es pas couché, parce que si t'es couché, tu le fais le même matin en travaillant. Le problème, c'est que si tu dois aller au boulot et que tu risques d'arriver en retard ou d'arriver en avant, tu passes pour un con, hein, dans les deux cas, donc ce qu'il faut, bon, le mieux c'est de pas, tu te couches pas, t'attends 2h du matin, parce que c'est l'heure officielle. Donc ce que tu fais à 2h du matin, normalement, parce que bon, c'est ce qu'ils disent, mais bon, j'ai... Hein ? Mais je leur explique, je m'énerve pas, attends, ils me gonflent, lui. Ils sont pas fut-fut, toutes les années, il faut leur faire un petit sketch pour leur expliquer s'il faut avancer, s'il faut reculer. Ils me gonflent. Alors, ce que vous faites, moi, vous restez calme, vous restez, c'est pas la peine de s'énerver. Attends, c'est une histoire d'horaire, c'est tout. Ce que tu fais, tu prends ton réveil à 2h du matin, et... Il faut avancer ou reculer ? Non, c'est pourtant pas bien compliqué, quoi. Non, c'est vrai, vous êtes sympa, mais des fois, vous êtes un petit peu loin à la compréhension, hein.